palacio. Outro intro. Tegener mad dar palacio braz. Welcome to le Grand Palace. Cette soirée, vous l'aurez compris, est une soirée de prestige dans un lieu aussi prestigieux que le Grand Palace. C'est un lieu internationalement connu de tout le pays Léonard. Et pour cette 21e cérémonie des Léonards, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car de célèbres personnalités sont là ce soir. Des artistes, des comiques, des chanteurs bien sûr, qui nous ont fait l'honneur et la joie de venir ce soir se produire sur cette salle prestigieuse. Ce sera l'occasion pour nous de leur décerner ce trophée qu'ils convoitent durant toute leur carrière internationale, le Léonard. C'est la récompense suprême pour ces artistes, afin qu'ils puissent se produire dans d'autres salles internationales comme celle de Plougard, de Plougourvest, de Plougorne. Alors ce soir, nous remettrons entre autres les Léonards, de la meilleure musique de valse, de la meilleure chanson d'anniversaire, de la meilleure musique au jeu de jambes, je ne vous en dis pas plus, de la meilleure chanson en anglais qu'on n'a rien compris, et bien d'autres surprises bien sûr. Ladies and gentlemen, place maintenant à la musique. Je déclare officiellement ouverte la 21e cérémonie des Léonards. Quoi de mieux que de partir ensemble dans un tourbillon d'amour. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans ton avec sa femme qui risquerait d'en faire autant. Excellent, Milo. Ouais, mais elle est gondolée, là. Elle est gondolée. Comme sa gueule. Gondolée, là. Je remue le ciel. Thank you.
C'est pas possible! Franchement, vous êtes passé le mot là, j'ai vite dit là! Putain, vous êtes. Putain, bossé avec des chignoles là, c'est pas possible! 21 ans! À trop souvent devenir sourd, la trompette là, j'étais pas pour! 21 ans! À mettre ses costumes ridicules, et encore là, y'a pas de plume! Attends, si, si. Il est bleu. On peut pas faire de chanson. Non. Moi, ils faudrait simplement les coller un peu les racines pour que ça donne un peu de gonflant, vous voyez. D'accord. Pour trahir le reste, alors. Et moi, il faudrait un petit blouson gris pour ressembler à Ophélie Vitesse. Mais mesdames, excusez-moi, mais vous n'avez pas rendez-vous. À mon crédit. Non, 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 non. Mais si. Mademoiselle Leroux, mademoiselle Agral, on est notés sur le cahier. C'est nous. Ah, c'est vous. Mais oui, c'est nous. Allez, c'est là pour sonner. Prenez place. Bonjour, le carte. Mais c'est plus des cheveux, c'est du raffia. Bon, bah, je crois qu'on va commencer par la petite et le gros chantier après. Hein. Yes, the change in my pocket was a thing that I never thought.
bah dis donc, c'est pas la crise pour tout le monde, hein? Ah, bonjour, ah non, si, si, c'est la crise pour tout le monde, hein, depuis que ton Hollande... Oh, s'il te plaît, hein. Tout est à la faute à Hollande, hein. J'ai un pas d'Harry, c'est la faute à Hollande. Y a rien à la télé, c'est la faute à Hollande. T'as des vergetures, c'est la faute à Hollande. Ah non, non, non. Là, c'est pas pareil. C'est mon corps qui suit le mouvement. Ouais, enfin bon, c'est un peu facile de tout lui mettre sur le dos, hein. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Rien n'est de sa faute, il fait rien. Bon, s'il te plaît, hein, Corinne, hein, c'est pas parce que tu ne vois pas un arbre grandir qu'il ne grandit pas. Donc, si je comprends bien, Hollande est une plante verte. J'étais certaine de conquérir l'Hollandie. J'ai le tailleur le plus chic, j'ai préféré cette robe bleue qui était du dernier cri. Les photos, les chansons, les illustrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'aurais voulu faire. Je pense que sur le marché noir, ce sera encore plus cher. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Original. Je t'en prie. On sait qui l'a cassé, hein. Allez. C'est tout possible, t'as vraiment pas mal. C'est tout possible. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Comme emmêler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Thank you.
Regardez donc, madame la Zénèque de Pougard. Ouais. Oh là là, vous êtes petite carcasse, ah. Moi la peu grossie, hein. On peut pas la louper, hein. Moi j'aurais dit doubler, mais bon. Gentil, hein. Et c'est qui la grande blonde derrière platinée? C'est Jean-Noël, son petit-fils. Oh. Mais sinon, ça m'étonne pas qu'il ait pas eu son CAP coiffure, hein. Merci pour votre présence.